Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Nous sommes aujourd'hui mardi 1er décembre 2015, journée internationale de lutte contre le sida, et Océan FM se propose de faire le point sur cette lutte au Bénin, puisque nous sommes à une étape charnière. 2015, quels seront les nouveaux défis après 2015? Est-ce que les anciens objectifs ont été atteints? Nous ferons l'état des lieux avec mon invité, le docteur Jean Darro, chef service prévention du programme national de lutte contre le sida, le PNLS. Bonsoir docteur. Bonsoir. Et pour vous, chers auditeurs, vos questions sont attendues au 65 00 24 24 via WhatsApp dès maintenant, à partir de maintenant donc, ou à partir de 15h30, vous avez la latitude d'appeler et le fixe le 21 33 84 19 ou le 65 00 24 24 pour vos questions à notre invité du jour. Sans plus tarder, on entre dans le vif du sujet, on parle du sida au Bénin. Est-ce que, docteur Jean Darro, est-ce que le taux de prévalence est toujours de 1,2% au Bénin? Bonsoir, bonsoir tout le monde. Le taux de prévalence, à la date d'aujourd'hui, est effectivement de 1,2% au Bénin. Et ceci depuis 2006 jusqu'à maintenant, le taux est maintenu tel que 1,2%, ça veut dire quoi? Oui, 1,2%, ça veut dire que si on prend 100 personnes, oui, on aura, je vais dire 1000 personnes, si on prend 1000 personnes, on aura 12 qui sont porteurs ou porteuses du VIH au Bénin. Ce taux, c'est vrai, ça c'est pour, dans la population générale, mais il y a une répartition inégale au niveau des départements. Il y a des départements dans lesquels le taux est au-delà de 2%, dans lesquels? Notamment le Mono, le Koufo. Les départements dans lesquels c'est au-delà des 1,2%, nous avons la Donga, l'Ouémé et puis le littoral. Le littoral aussi, dans lequel se trouve Cotonou. Nous émettons actuellement, d'où nous émettons, donc 1,2%. Et puis au-delà et dans le Mono Koufo, c'est à 2 et quelques. Oui. Dans le Koufo, c'est à 2,2. Dans le Mono, c'est à 2,1%. Donc, au-delà des 1,2% sur le plan national, c'est dit qu'il y a encore du travail, il y a encore du chemin, beaucoup de travail à faire. Oui, dans ces départements où on a des prévalences beaucoup plus élevées que la prévalence nationale, il y a à concentrer davantage les efforts. Et on est parti d'où pour revenir à 1,2% au plan national? Dans les années 90-2000, on était autour de 4,1%, mais il faut reconnaître que la méthodologie. Mais il faut reconnaître que la méthodologie utilisée en ce moment avait pris en compte les grandes villes. Et quand on a maintenant peaufiné correctement la méthodologie, ça a été validé par le système des Nations Unies. Depuis lors, on s'est retrouvé à 1,2 et puis c'est stationnaire. Donc c'était une question de méthodologie ou... Au départ, parce que quand on avait pris les grandes villes, même quand on est à 1,2% actuellement, si on essaie de vérifier la prévalence dans les grandes villes telles que Cotonou, Porto Novo, Paracou, de façon isolée, on aura des prévalences élevées. Mais les 1,2, c'est la moyenne nationale. Ça veut dire qu'il y a les grandes villes, il y a les zones rurales, ainsi de suite. Et on prend tout ça en compte. Aujourd'hui, quand nous prenons les grandes villes, nous sommes au-delà des 1,2%, les grandes villes comme Cotonou, Paracou, Porto Novo, ainsi de suite. Mais quand on prend les villes un peu plus éloignées,
on est en deçà de 1,2, c'est la moyenne qui fait 1,2 sur le plan national. Quand je vois sur votre t-shirt là, c'est la nouvelle donne, hein, 90-90-90. Avant de revenir au Bénin, on va parler du plan mondial. C'est le nouvel objectif 90-90-90. Ça a été évoqué par le directeur exécutif de l'ONU SIDA, le docteur Michel Sidibé. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça renferme? Ok. Avant de venir au slogan 90-90, je vais dire que depuis 2011, l'ONU SIDA a poussé nos chefs d'État à s'engager dans la voie de l'élimination de l'infection à VIH. Le thème qui a couvert, par exemple, voilà, 2011 à 2015, on va en parler tout à l'heure. Exactement. Donc, en 2015, on est en train de faire le bilan. Et il y a eu des résultats encourageants qu'on pourra partager tout à l'heure. Oui. Et maintenant, l'ONU SIDA a revu encore son objectif pour dire d'ici à 2030, il faut que 90% des personnes qui portent le VIH puissent connaître leur statut. Donc, on doit pouvoir dépister tout le monde de manière à ce que 90% des personnes attendues puissent savoir qu'elles sont porteuses du VIH. Ça, c'est le premier 90. Le deuxième 90, c'est que De ces personnes qui connaissent leur statut, 90% doivent pouvoir bénéficier du traitement antirétroviral. Ça, c'est le deuxième 90. Le troisième, c'est que de ces personnes qui sont mises sous traitement antirétroviral, 90% doivent avoir une charge virale indétectable. C'est-à-dire, dans leur sang, on doit voir que l'activité du virus est totalement inhibée. Ça ne veut pas dire qu'on a tué le virus, mais que le virus n'arrive plus à se multiplier dans l'organisme. Ça limite la propagation, sinon ça l'anéantit. Voilà, ça l'anéantit, mais le virus est là, parce que ça ne tue pas le virus. Le virus est là, mais ça l'anéantit, parce que quelqu'un qui est infecté et qui ne prend pas les antirétroviraux, par jour, un seul virus peut donner jusqu'à 10 milliards de nouveaux virus. Mais quand on donne les ARV, ça, vous voyez, un virus qui est capable de se reproduire jusqu'à 10 milliards de nouveaux virus, mais qui n'arrive plus à donner même 10 en une journée, vous voyez un peu. Donc, comme ça, la charge virale devient indétectable. Donc, c'est l'effet des antirétroviraux. Donc, c'est trois objectifs qui se tiennent. Exactement. Donc, arriver à dépister le plus grand nombre, arriver à mettre sous traitement le plus grand nombre et faire tout pour que le traitement puisse marcher afin que chez 90% des personnes mises sous traitement, la charge virale soit indétectable. Eh bien, on va s'intéresser à l'ancien thème, le thème qu'on boucle cette année, c'est-à-dire zéro, objectif zéro, zéro nouvelle infection au VIH, zéro discrimination, zéro décès au SIDA, c'est dû au SIDA, pardon. C'est donc sous ce thème qu'a célébré cette journée de la lutte contre le SIDA en 2015, ça a été le cas. Depuis 2011, on est donc à la fin de cette feuille de route qu'on s'était tracée. Quels sont quel est le bilan aujourd'hui? Est-ce que ces objectifs-là ont été atteints? On va commencer par le nombre de décès dus à la maladie depuis. Comme je l'ai dit, l'objectif zéro, dès que cet objectif a été annoncé et partagé, il y a eu beaucoup d'engagements au niveau politique. Et ces engagements se sont traduits dans les interventions, dans la mise en place des stratégies pour pouvoir atteindre le plus grand nombre. Ça a fait que aujourd'hui, en 2015, sur le plan mondial, on a constaté quand même que le nombre de nouvelles infections a baissé. Le nombre de nouvelles infections à VIH a baissé. On voit les chiffres. Oui. Au niveau mondial, avant, par an, on était au-delà des 200 000 nouvelles infections par an, mais aujourd'hui, ça a diminué, on est en deçà. Au Bénin, par exemple. Voilà, au Bénin, selon les estimations de l'ONU SIDA, nous sommes aujourd'hui à près de, je vais dire, autour de 4 000 nouvelles infections par an. C'était à combien? Si je prends les années 2007, on était autour de 6 000. Donc, 2000 de différence. Voilà. Là, maintenant, c'est pratiquement près de 32% de diminution, de baisse de nouvelles infections. C'est quand même important. Et sur cette lancée, on a vu que depuis les années 2000 jusqu'à maintenant, la tendance est à la baisse par rapport aux nouvelles infections. Et peut-être pour anticiper,
si la tendance est à la baisse par rapport aux nouvelles infections, si on a maintenu le taux de prévalence, c'est parce que la prévalence prend en compte les anciens malades et les nouveaux. Oui. Or, avec les ARV, on a pu maintenir en vie ceux qui étaient infectés. Donc, le fait que ceux-là soient en vie et que l'infection baisse, ça s'équilibre. Que les nouvelles infections baissent, ça s'équilibre. C'est ça qui fait qu'on est toujours autour de 1,2%. Donc, par rapport à l'objectif zéro, sur ce plan, en matière de nouvelles infections, ça a considérablement baissé. En matière de décès également, mais malheureusement, je n'ai pas amené les chiffres par rapport au décès, mais en matière de décès également, ça a considérablement baissé, puisque sur nos sites de prise en charge, on a constaté que les personnes qui sont mises sous traitement vivent bien, et puis on enregistre vraiment de rares cas. Je ne dis pas que ça n'existe plus, mais on enregistre de rares cas de décès. Ce n'est pas comme avant où presque toutes les semaines on venait nous annoncer que ah, tel malade qu'on n'a plus vu est décédé, ainsi de suite. Présentement, ce n'est plus vraiment le cas. Donc l'objectif zéro, ça s'est traduit dans les actes et on a des résultats concrets. Et puis on a décliné ça aussi également par rapport à la prévention de la transmission mère-enfant du VIH, où on s'est dit qu'on doit aller à l'élimination de nouvelles infections chez les enfants. Et il y a un programme qui a été mis en place. On pourra partager tout à l'heure le contenu. Bien évidemment. Donc, c'est assez, vous êtes assez optimiste avec les chiffres dont vous parlez et le bilan. Ce n'est pas être optimiste, c'est du réel. Et nous pensons que sur cette lancée, si on maintient les efforts pour consolider les acquis, nous pensons que nous menons la lutte par le bon bout. D'accord. Et il est 15h18. Si vous venez de nous rejoindre sur cette émission, sachez que vous êtes sur Focus Santé. Et aujourd'hui, 1er décembre 2015, on parle du bilan au Bénin en ce qui concerne cette lutte. Et je reçois le docteur Jean Darou, qui est chef service prévention du programme national de lutte contre le sida. Et si vous avez des questions, envoyez-les-nous au 21 33 84 19. Ça, c'est tout à l'heure. Déjà à 15h30, vous pouvez nous appeler pour intervenir en direct dans cette émission 21 33 84 19 ou envoyer vos messages via WhatsApp au 65 00 24 24. Je rappelle 65 00 24 24 et docteur Jean Darou vous répondra avec toutes les précisions qu'il faut parce que le sida c'est quand même une question qui touche tout le monde. C'est une question cruciale et tout le monde, c'est l'affaire de tout le monde. C'est une lutte qui engage tout le monde. Tous les Béninois, donc on a besoin de vos questions pour avancer dans cette émission et on continue en attendant que vos questions nous parviennent. On parle aussi de discrimination zéro sur cet aspect de la question, qu'est-ce qu'on doit retenir? Sur cet aspect, il y a une étude qui est en cours actuellement, conduite par l'ONU SIDA. On attend les résultats de cette étude pour voir. Mais ce qu'il faut retenir déjà, c'est que la stigmatisation est encore réelle dans notre société. Ça, il ne faut pas le nier. Il suffit, par exemple, de se retrouver dans un groupe. Vous pouvez tout partager, vous entendre correctement et que quelqu'un se lève pour dire « Bon, moi je suis personne vivant avec le VIH » et vous allez voir que tout autour, tout le monde va commencer par prendre ses précautions vis-à-vis de cette personne. Ça veut dire que la stigmatisation est encore présente dans nos actes quotidiens puisque c'est la stigmatisation qui amène vers la discrimination. La discrimination, c'est en fait la matérialisation de la stigmatisation. Et ça fait qu'il y a des gens qui sont infectés, quand on leur annonce leurs résultats, ils n'ont pas le courage de partager avec leur conjoint ou leur conjointe. Ils n'ont pas le courage de venir même prendre les antirétroviraux parce qu'ils ont peur du regard des autres. Mais on entend, comme je l'ai dit, les résultats de l'étude. Peut-être que ça aurait baissé un peu. Ce n'est pas comme au début où tout le monde fut, maintenant qu'on a commencé à prendre conscience. Mais ce n'est pas encore ce que nous on aurait aimé. Donc c'est l'occasion de vous adresser à tout le monde par rapport à la stigmatisation qui est encore de mise dans nos sociétés à l'égard des malades, des PVVIH. Et je vous remercie d'ailleurs pour l'occasion que vous m'offrez parce que, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, le VIH-SIDA est un problème qui touche tout le monde. Aujourd'hui, comme le dit un de nos partenaires, même si personnellement on n'est pas infecté, on est affecté.
parce que même si on n'est pas infecté, c'est-à-dire on n'est pas porteur du VIH, on a quelqu'un, soit dans notre famille ou bien dans notre cercle d'amitié, qui porte le VIH. Il suffit de nous dire, et si c'était nous qui étions à la place de cette personne, qu'est-ce qu'on aurait aimé que les autres fassent ou bien adoptent vis-à-vis de nous comme attitude? La réponse à cette question nous amènerait juste à savoir comment nous devons nous comporter vis-à-vis des PVVIH. Parce que si c'était nous qui étions dans le cas, nous allons aimer que les autres nous soutiennent, que les autres nous accompagnent, que les autres ne nous rejettent pas. Donc pourquoi nous sommes incapables d'adopter les mêmes comportements vis-à-vis des autres? Donc les autres ont besoin de notre soutien. Et aujourd'hui, l'une des grandes avancées en matière de la lutte contre le VIH, c'est qu'on a réussi à rendre chronique l'infection à VIH. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quelqu'un qui souffre de l'hypertension, si cette personne, on met cette personne sous traitement, si la personne abandonne son traitement, c'est l'hypertension qui finira par le tuer. Parce que s'il abandonne son traitement contre l'avis des soignants, il va se lever un jour, il va faire un accident vasculaire cérébral. Quelqu'un qui est diabétique, qui est sous traitement, et qui abandonne son traitement sans l'avis des soignants, mais c'est l'hyperglycémie ou bien les conséquences du diabète qui finiront par l'abattre. C'est la même chose aujourd'hui que le VIH. Il suffit que quand on est infecté, qu'on prenne connaissance de notre statut et qu'on se mette sous ARV. Le seul quoi, c'est que c'est à vie, c'est un traitement à vie. Et j'ai donné l'exemple du diabète et de l'hypertension pour dire que c'est la même chose. Donc il suffit de prendre ces médicaments tous les jours et de suivre les conseils et on vit avec le VIH sans que personne ne sache qu'on est infecté. Donc ça c'est l'une des grandes avancées, réussir à faire de l'infection à VIH une maladie chronique par la maladie d'entre-temps où on voyait les gens chétifs, cachétiques, et on dit voilà, ils ont le sida. Non, aujourd'hui, on ne voit plus ces gens d'image. Vous êtes sûr? Bien sûr. Bon, les antirétroviraux font leurs effets, mais est-ce que ces gens d'image-là ne sont plus tellement présents dans la société? D'autant plus que ce n'est pas le VIH qui donne ces images-là. C'est ce qu'on a tendance à oublier. Plusieurs maladies donnent les mêmes signes. Qu'est-ce que le VIH fait? Le VIH se charge juste de détruire les défenses de notre organisme. Et tout ce que nous mangeons, tout ce, dans notre environnement, on avale des microbes tous les jours. Mmh. Mais si nous ne tombons pas malades, c'est parce que nous avons un système de défense qui combat ces maladies-là, ces germes-là. Mais qu'est-ce que le VIH fait? Le VIH s'attaque à ce système de défense. Et quand le VIH s'attaque à ce système de défense et l'affaiblit, ces microbes ordinaires qu'on a l'habitude, ce sont ces affections-là qui se développent. C'est tout. Donc ce n'est pas le VIH qui fait qu'on maigrit, ce n'est pas le VIH qui fait que... Non. Le VIH rend le terrain favorable au développement de ces maladies. Donc on traite les gènes-là, on met sous ARV pour pouvoir affaiblir totalement le virus et puis la personne se retrouve. D'accord, on va évoluer dans cette émission avec un autre pan du sujet. Selon une étude réalisée en octobre 2008, le taux de transmission résiduelle du VIH de la mère à l'enfant au Bénin était de 17,2%. En juin 2011, les Nations Unies ont adopté une politique sur le VIH et un plan mondial pour éliminer les nouvelles infections à VIH chez l'enfant à l'horizon 2015 et maintenir l'homme-mère en vie. On est en 2015, docteur Jean Darroux, on est la PTME, c'est-à-dire la prévention de la transmission de la mère à l'enfant. Ok, d'abord je voudrais peut-être, si vous permettez, corriger quelque chose. Le taux de transmission mère-enfant du VIH en 2008, le taux résiduel était de 14,1%. Les 17,2%, c'est chez les femmes qui n'ont pas bénéficié du programme de prévention de la transmission mère-enfant du VIH.
Donc, celles qui ont accouché sans prendre les ARV et ainsi de suite, c'est dans cette catégorie qu'on avait les 17,02. Mais dans la population générale, si on mélange celles qui ont eu à prendre les ARV et celles qui n'ont pas eu, ça faisait 14,1%. Donc, c'est que des chiffres de celles qui n'ont pas du tout bénéficié. Exactement, les 17,02. Donc, je voudrais... Ben, soit, c'est aussi des femmes, donc les chiffres restent valables, ça montre que c'est... Je voudrais quand même faire cette différence-là. Pour montrer que vous travaillez. Pour montrer que nous travaillons, rétablir la vérité des chiffres de départ pour voir d'où est-ce qu'on est parti. Une petite précision. D'accord. Et en juin 2011, comme vous l'avez dit, les chefs d'État se sont engagés dans la politique de l'objectif zéro. Okay. Et ça s'est traduit chez nous par l'adoption d'un plan d'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Et ce plan a été lancé par le chef de l'État en 2012. Oui. Et la mise en œuvre de ce plan nous a permis d'avoir déjà en 2012, quand on a fait une évaluation en 2012, on était à 11,41% du taux de transmission. Donc de 14%, on est passé à 11,41%. Et en 2014, je vais dire un peu à mi-parcours, quand on a évalué, on est à 7,62% comme taux de transmission du VIH de la mère à l'enfant. Et il y a une étude prévue en début 2016 pour pouvoir voir est-ce que nous avons atteint le taux en 2015. Oui. Mais déjà en 2014, au moment où on a fait le bilan sur le plan national et on s'est retrouvé à 7,62, il y a 4 départements qui ont pu atteindre l'objectif fixé qui était de parvenir à un taux inférieur à 5%. Et nous avons le département de la Liborie, le département de l'Atlantique, le département du Littoral et le département de l'Ouémé qui ont des taux inférieurs à 5%. Donc grâce à la mise en œuvre du plan d'élimination. Et il y a 2 autres départements qui ont des taux légèrement supérieurs à 5%, que sont le Zou et le Plateau. Et nous pensons qu'avec l'étude qu'on fera en 2016, nous sommes optimistes la tendance sera confirmée pour ces 6 départements. Mais pourquoi 5%? Oui, parce qu'on a parlé d'élimination. Exactement. Ça veut dire zéro. Oui, parce que on considère que dès qu'on sera en deçà de 5% comme taux de transmission, c'est que le programme marche et qu'il faudra juste renforcer les acquis pour qu'il n'y ait plus vraiment de transmission. Quand vous mettez en place tout un système pour pouvoir parvenir à moins de 5%, c'est que si vous renforcez les acquis, vous allez vers les moins 1%. Dans combien de temps? Une chose est d'avoir de bons résultats, mais la grande difficulté, c'est de pouvoir conserver les acquis. Donc, en combien de temps, je ne saurais le dire, mais je pense, à mon humble avis, que tout ce qui a été fait de 2012 à 2015 et qui nous a permis de baisser de moitié le taux de transmission, si on maintient les efforts d'ici 1 ou 2 ans, on sera autour de 2% de transmission. Voilà, donc 15h30 et depuis, docteur Jean Darro, à vous entendre, c'est que la lutte marche et qu'il y a de l'espoir et que tout va pratiquement bien. Alors qu'on va aborder une autre face de l'iceberg tout à l'heure, ça sera à travers un coup de gueule à SOS d'un des PVVIH du centre de traitement des ambulatoires, du CNHU. On était là-bas hier et puis on a constaté que tout ne va pas bien, il y a certaines choses qui ne marchent pas comme il faut, surtout dans la prise en charge, le traitement des PVVIH, les antirétroviraux, des produits très importants pour maintenir ces personnes-là en forme, en santé, en bonne santé, j'allais dire. Vous allez écouter l'un des responsables du REBAP, c'est-à-dire le réseau béninois des associations de personnes vivant avec le VIH. Il va donc parler de la rupture de certains antirétroviraux dans ce centre de traitement. Sur une très bonne situation, d'abord, je remercie beaucoup le Fonds mondial qui a fait tout pour les antirétroviraux. Ne serait-ce qu'un dixième que le budget national doit payer pour les antirétroviraux, ils n'ont pas payé jusqu'à présent. Alors que maintenant, nous sommes à 3 mois de rupture de médicaments. Pour que Atazanavir et Tenolam et les autres médicaments, pour cette déplorable
c'est les bailleurs qui font tout. Le budget national ne fait rien. C'est toujours à répétition. Qu'est-ce que vous voulez des patients? Alors qu'il y a d'autres patients qui sont en deuxième ligne. Et ces médicaments en manquent. Donc, jusqu'à présent, voilà, quelqu'un qui vient de Nord qui n'a pas de médicaments. Donc, il va arrêter et après, on va dire, il est un observant. Alors qu'on dit, il ne faut pas arrêter les médicaments sont à vie. Et voilà, il y a 2 à 3 mois de rupture de médicaments. Où allons-nous hein? Alors que les bailleurs ont fait le nécessaire. Alors qu'ils dépendent des milliards pour d'autres projets. Voilà donc un PVVIH, docteur Jordarou, vous l'avez entendu, 2 à 3 mois de rupture. Quand on sait que ces antirétroviraux jouent un rôle fondamental dans la lutte contre le VIH-Sida, votre réaction? Ok, merci. C'est bien aussi que de temps en temps vous prenez ces gens de... vous avez dit coup de gueule, ça me permet aussi de nous mirer pour voir est-ce que nos efforts se traduisent concrètement sur le terrain. Mais avant de répondre, je voudrais juste insister sur le fait que ce n'est pas ma simple personne qui dit que ça va, c'est les chiffres qui parlent. Oui. Bien, pour revenir à la question de rupture en ARV, je voudrais vraiment être clair. Oui. Tel que présenté, c'est comme s'il n'y a pas d'ARV sur les sites depuis 3 mois. Ce n'est pas ça. En fait, il a donné le nom du médicament, l'atazanavir. Les médicaments dont il parle, c'est des médicaments qu'on utilise en cas de résistance face aux molécules UGL. Quand on dit traitement antirétroviral, on associe 3 molécules. Oui, on associe thérapie. Voilà, c'est pourquoi on parle de trithérapie. Et de ces 3 molécules, il arrive que certaines molécules soient en rupture. Et quand ça arrive comme ça, il y a d'autres molécules par lesquelles on les remplace. Mais est-ce que c'est fait actuellement? Exactement, je vais y revenir. Je vais y revenir. Allez-y. Et par lesquelles on les remplace, et ça ne crée aucun problème. Le temps que, à travers les commandes, dès qu'on réceptionne ces molécules, on remet en place le traitement de départ des patients. Mais par rapport à la molécule dont il a parlé, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons, si nous prenons le cas du CNHU, ils sont plus de 1000 à être sous traitement. Parce qu'au Bénin actuellement, on a près de 31 000 personnes qui sont sous traitement antirétroviral, notre fil actif actuel. Et ils sont environ une douzaine. Oui. Une douzaine à être sous la molécule dont on est en train de parler. Et quand ce n'est pas beaucoup, quand on commande juste une petite quantité, 100, 200, les structures qui vont payer n'arrivent pas à lancer la commande parce que les industries disent que ce n'est pas beaucoup pour qu'ils puissent produire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On lance à travers nos partenaires. Et eux, ils essaient de voir est-ce qu'il y a d'autres pays qui sont dans le même besoin, dans le besoin de la même molécule. Et c'est comme ça qu'ils font un regroupement pour pouvoir faciliter la fabrication de la molécule. Et comme ça, on répartit ça. Donc par rapport à cette molécule-là, c'est exactement ce qui s'est passé. Mais on a switché. Ce que nous appelons switché, c'est qu'on a remplacé ça par une autre molécule aussi de manière efficace. Aussi efficace, de manière à maintenir les gens sous la trithérapie le temps que le problème soit réglé. Et je voudrais aussi préciser, quand le représentant du Reba Plus, c'est vrai, ils sont dans un rôle de pression, de lobbying pour que le budget national fasse davantage, mais il faut reconnaître les efforts du budget national. La contribution est de combien? La contribution, le budget national contribue aujourd'hui à près de 2 milliards en matière d'achat des antirétroviraux. Ça représente combien de pourcents? Près de 10%. Dans l'achat des antirétroviraux. Et ça, il faut louer cet effort parce que depuis, je vais dire, de 100 millions au départ dans les années 2004-2006, on est passé à 750 millions d'appui, après à 1,5 milliard et actuellement 2 milliards comme contribution du budget national à l'achat des antirétroviraux, puisque ça coûte cher. Il faut reconnaître que ça coûte cher. Les antirétroviraux, le bilan réalisé, c'est des milliards par an. C'est des milliards par an. Donc, je comprends le cri
de détresse du représentant du REBA+, mais dire que ça fait 3 mois de rupture. Parce que quand on dit que ça fait 3 mois de rupture, c'est comme si il y a des milliers de personnes qui sont sans ARV depuis 3 mois. Mais donc il y a une douzaine. Oui, qui sont sous ce produit-là et chez qui on a switché par d'autres molécules. Et le problème a été pris à bras le corps et les discussions sont en cours. La commande est lancée. On attend juste qu'il y ait un regroupement pour qu'on puisse avoir la molécule. Mais jusqu'à quand? Eh oui, mais si vous êtes une industrie où vous devez produire beaucoup de produits, parce que la production d'une petite quantité, ça fait des coûts également. Donc quand on lance souvent, même les structures qui nous achètent ne sont même pas prêtes à prendre ces commandes-là, parce que ces structures-là ont des difficultés à trouver des sociétés qui vont leur produire les petites quantités de ces molécules. C'est ça le problème. Donc, on espère qu'on peut être en train de dire ça et demain ou après-demain, on sera informé que les molécules sont arrivées. Est-ce qu'ils ne craignent pas, par exemple, ce qui est remplacé là? Est-ce qu'il n'y a pas des effets secondaires? Il n'y a aucun problème parce que c'est des personnes expérimentées qui les mettent sous. On sait par quoi il faut remplacer. Quand on fait des combinaisons, les combinaisons ne sont pas fixes. On sait que quand ceci n'est pas disponible, on peut remplacer par tel autre, ainsi de suite. L'essentiel, c'est de ne pas les laisser sous 2 molécules. Là, ce serait la bithérapie. Mais on fait tout pour qu'ils soient sous la trithérapie. D'accord, on a eu votre éclairage. C'est vrai qu'on a fait l'effort d'avoir l'un des représentants du REBAP dans ce studio, mais qui, avec les activités inhérentes au 1er décembre, n'a pas pu se rendre disponible. Ce serait avec plaisir que j'aurais échangé avec lui. Donc, partie remise peut-être pour une prochaine fois. Et les autres difficultés dans cette prise en charge, on entend parler souvent de la rupture des CD4. Ça nous a souvent interpellé, que ce soit au CNHU ou dans d'autres centres. Qu'en est-il aujourd'hui? Oui, il faut reconnaître que notre pays a adopté une politique de gratuité en matière de prise en charge. C'est-à-dire les ARV sont cédés gratuitement, les consultations sont faites gratuitement, le bilan de suivi, les CD4 et les autres bilans, on a défini une périodicité de réalisation de ces bilans-là. Donc tout ça, c'est réalisé gratuitement. Donc l'État, avec l'appui des partenaires, met en place les intrants, c'est-à-dire les réactifs, tout ce qu'il faut pour que les gens puissent être bien suivis. Maintenant, dans le même temps, les appareils qu'on a mis en place, des fois, rencontrent des difficultés. Vous savez, avec les problèmes de coupure, tout ça, il y a des appareils qui tombent en panne. Quand un appareil sur un site tombe en panne, il faut le temps qu'on répare pendant cette période-là. Les patients qui sont suivis sur ces sites ne peuvent plus bénéficier des analyses. Voilà, des bilans que cet appareil permettait de faire. Donc comme ça, pour les utilisateurs de services, c'est-à-dire les PEVH qui doivent bénéficier de ces services, pour eux, c'est qu'il y a rupture. Et ils ont parfaitement raison. Nous devions prendre toutes les dispositions pour assurer la maintenance régulière de ces appareils. Et c'est ce qui est en train d'être fait actuellement parce qu'on a rencontré tellement de problèmes dans les années 2011-2012 avec les appareils. Mais vous devez constater, si vous faites un tour, ils doivent quand même témoigner que depuis un certain temps, il n'y a plus ces problèmes de pas de réalisation de CD4, ainsi de suite. Non, ça ne commence pas à être conjugué au passé. Sur l'ensemble du territoire? Sur l'ensemble du territoire. Il y en a combien, les centres de traitement? Actuellement, nous avons 88 centres de prise en charge par les ARV et 922 sites de prévention de la transmission mère-enfant du VIH. Répartis sur l'ensemble du territoire. Donc dans tous les départements. Dans tous les départements, dans toutes les communes. D'accord. Et il y a cette question d'un auditeur que je vais poser avant. Bon, pas une question en tant que telle, hein. C'est un avis qui estime que c'est une histoire de gros sous, le CNLS, le PNLS, la lutte contre le sida, c'est une affaire de gros sous. C'est ce qu'on entend souvent. Qu'est-ce que vous dites pour vous défendre? Non, est-ce qu'on a besoin de se défendre? Pas du tout. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les ARV coûtent énormément. C'est des milliards qu'il faut pour payer les ARV. Rien que les ARV. Maintenant, les réactifs qu'on utilise pour le dépistage, même si on disait que le test du dépistage seul, est à 1000 francs,
de 2006 à 2015, on a dépisté plus d'un million de personnes. Ça fait combien? Si on disait que le test est à 1000 francs. Oui, faites-nous le calcul. Non, il faut voir. Rien que pour ce test. Or, toutes les femmes enceintes aujourd'hui avec le programme PTME, chaque année, on dépiste près de 400 000 femmes. Chaque année, près de 400 000 femmes. Et ceci, et tout ça là, gratuitement. Les CD4 qu'on réalise, c'est gratuitement qu'on le fait. Donc, quand on prend le budget lié au VIH, 97% vont dans les tests, c'est-à-dire l'achat des intrants, le test de dépistage et les ARV. Souvent, les gens disent, on voit des véhicules, des gros véhicules, ainsi de suite. Bien, vous m'avez posé une question tout à l'heure pour dire, est-ce que c'est sur l'ensemble du territoire que les sites de prise en charge sont répartis? Pour amener un appareil de comptage de CD4 d'ici à Tukuntuna, il faut faire comment? Il faut passer par avion? Mais non, il faut mettre ça dans un véhicule pour amener. Pour amener les réactifs, il faut que ça soit dans certaines conditions. On ne peut pas amener les réactifs dans la chaleur. Donc, on déplace des véhicules bien indiqués pour pouvoir aller déposer les intrants au niveau de ces structures. Et quand on dit, voilà le protocole qu'il faut utiliser, il faut former les gens. Il faut quand même aller superviser pour voir est-ce que les protocoles sont appliqués. Et de plus en plus, nous associons le REBA+, où les membres eux-mêmes descendent sur le terrain pour voir au niveau des sites de prise en charge quels sont les problèmes qui se posent et ils partagent ces problèmes-là avec nous. Et ça nécessite qu'on se déplace pour voir ce qui se passe. Bon, je comprends, parce que quand on dit on a donné de l'argent pour le VIH, c'est toujours exprimé en termes de milliards. Oui. Et quand on entend milliards, bon, quand on entend milliards qu'on voit des véhicules, c'est que ça va dans la poche des gens, sans savoir que les intrants coûtent plus de 90% des ressources liées au VIH. Donc c'était une petite parenthèse, hein, et vous parliez tout à l'heure de tests. Ça nous amène à évoquer quelques avancées en la matière. Vous nous direz si c'en est une. Le test de détection rapide qui a été présenté au Gabon samedi dernier. Oui, en fait, c'est les autotests. C'est pour permettre aux gens, si vous êtes là, si vous voulez connaître votre statut, vous allez payer le test, puis vous-même, vous faites votre test et vous lisez. Oui. C'est une avancée. C'est une avancée, ça existait. Maintenant, on est en train de faire... Au Bénin, on n'en est pas loin ou... Je vais venir, vu les 90-90, pour pouvoir permettre aux gens de connaître leur statut. Les gens sont en train de faire la promotion de ces tests. Mais l'autre corollaire aussi, c'est que pour faire le test et pouvoir faire face à la question du VIH, vu la persistance de la stigmatisation, c'est l'une des questions que j'allais vous poser. Il faut préparer la cible, voilà, pour que le résultat soit accepté. Parce qu'au début, il y a des gens, quand ils sont, on leur dit, ah, vous avez le VIH, quand ils se lèvent dans leur tête, c'est qu'il faut qu'ils se vengent. Et ils se mettent dans la population et ils font ce qu'ils veulent, sans prendre aucune précaution. Et ça participe à la propagation. Donc, ces tests sont promus dès qu'on constate que la question de la stigmatisation est levée et que les gens comprennent que, bon, on n'a pas à avoir de mauvais comportements quand on est infecté. C'est-à-dire quand le niveau de psychologie est un peu plus approprié. Comme je l'ai dit, dès que l'enquête va nous montrer, l'enquête qui est en cours, là, dès qu'on aura les résultats, on pourra voir quel est le niveau de préparation de notre population. Et moi, je pense que on peut faire la promotion de ces tests-là. Ça va même faciliter les choses. Et c'est à combien? Oh, je n'ai pas une idée du prix. D'accord. Et donc, le test, sinon les résultats de ces études, c'est en 2016. Oui. Quand on aura les résultats. Je pense que avant la fin du premier trimestre de 2016, on pourra avoir les résultats. Voilà. Donc, on saura si oui ou non on pourra acheter un test à la pharmacie et aller faire son test. Mais si déjà en 2015, on n'a pas une idée assez claire de ça, c'est vrai qu'on attend les Non, pour le moment, on n'a pas encore adopté ces tests-là dans notre pays. On n'a pas encore adopté. Mais quoi qu'on dise, il y a des gens aujourd'hui qui peuvent aller payer des tests et faire leur propre test. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, mais nous n'avons pas encore généralisé cette pratique-là pour dire on l'a adoptée comme politique. Actuellement, non. Mais le fait que ce soit adopté dans d'autres pays africains... Oui, ça ne gêne pas. On pourra prendre le train en marche.
D'accord. Donc, on attend en 2016 les résultats pour savoir ce qu'il en sera donc de ces états des lieux, ces études sur le Bénin, la population béninoise. Parlons toujours d'avancées. J'aimerais que vous nous donniez plus de précisions sur les autres avancées en parlant du VIH-Sida, parce que de plus en plus, on entend parler des, comment dirais-je, de remèdes, de médicaments qui existent et qui guérissent le sida, par exemple. Est-ce qu'il y en a à la date d'aujourd'hui? Non, je vais être formel. À la date d'aujourd'hui, il n'y a pas de médicament qui guérit le VIH comme les médicaments qui guérissent le palu. Ou le, non. Les médicaments qu'on utilise. Chez les tradis thérapeutes. Vous avez bien été. Travaille en symbiose ou en synergie entre griffes avec la médecine moderne. Oui, je reconnais beaucoup de vertus dans la médecine traditionnelle et puis ils font beaucoup d'efforts, mais vous allez bien me permettre de ne pas aller sur ce terrain. Je voudrais bien parler de ce que je maîtrise et il ne faut pas que j'aille sur un terrain que je ne maîtrise pas trop. Mais sur le plan médical purement, il n'y a pas de médicament qui puisse guérir définitivement du VIH. On nous a rapporté des cas d'enfants qui, très tôt, mis sous traitement, on a constaté plus tard que il n'y a plus de VIH dans son organisme et on a abandonné le traitement. Mais quelques mois après, il y a eu rechute et on a dû remettre cet enfant sous traitement. C'est ce qui se passe. Les ARV empêche le virus de se multiplier. Ça diminue considérablement la charge de multiplication du virus, mais ce virus reste latent dans l'organisme. Et dès que ce facteur qui les inhibe, dès qu'on arrête de les soumettre à ce facteur d'inhibition, les virus rebondissent. Et peut-être malheureusement avec des cas de résistance face à ces molécules-là. Donc, en matière d'avancée aujourd'hui, c'est que de plus en plus, il y avait des critères où on disait il faut attendre telle chose, il faut attendre que les CD4 soient à telle avant de commencer par prendre les herbes. Mais aujourd'hui, ces critères sont en train d'être levés. Donc il faut être éligible, comme voilà, on dit. Voilà. Donc par rapport à la femme enceinte, par exemple, il suffit, si la femme enceinte est séropositive, on la met sous ARV. Et c'est à vie. En même temps. Et c'est à vie. Elle n'arrête plus. Donc ça permet de sauver la maman, de réduire la transmission à l'enfant et de permettre à la maman de vivre longtemps. Mais pourquoi ce critère a été édicté, était énuméré? Non, c'est avec l'évolution qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait se passer de ces critères. Parce qu'au début, la science évolue. Au début, il y a des molécules qu'on disait, il ne faut pas l'utiliser chez la femme enceinte. Si vous l'utilisez chez la femme enceinte, les enfants seront mal formés, ainsi de suite. Mais avec le temps, on s'est rendu compte que ce n'est pas du tout vrai. Et aujourd'hui, ce sont ces molécules-là qu'on donne. Moi, au début, dans les années 2004-2005, j'avais une dame que j'avais mise sous traitement. Elle était sous traitement quand elle est tombée enceinte. Elle ne s'en est pas rendue compte. Elle a hésité, est-ce que c'est grossesse ou pas? Et c'est 3-4 mois après qu'elle a fait son test, elle a su qu'elle était enceinte. Or, elle était sous la molécule qu'on disait qu'on ne pouvait pas donner à la femme enceinte. Mais 4 mois après, elle est venue. J'ai dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut changer de molécule, ainsi de suite? Je l'ai laissée. Et elle a gardé sa grossesse, son enfant. Ça vit bien, l'enfant vit bien, l'enfant est négatif par la suite, et tout s'est bien passé. Et la dame, elle vit aujourd'hui. Donc, depuis ce temps, déjà en tant que clinicien, moi, je me posais la question pour dire, est-ce que ce médicament qu'on disait qu'il ne fallait pas utiliser, est-ce que ce n'est pas mal vu? Aujourd'hui, les gens sont revenus sur cette question et c'est cette molécule-là qu'on utilise de façon préférentielle chez les femmes enceintes aujourd'hui. Donc, c'est des avancées. C'est pour dire qu'en matière de VIH, tout bouge. Les gens ne sont pas restés bras croisés et ce qu'on tient aujourd'hui comme vérité absolue peut être démenti d'ici demain. J'ai dit, aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé de médicament. Peut-être demain, maintenant, on va se réveiller, on va me dire, on a trouvé le médicament et que ça marche très bien. Voilà. Et à part ça, est-ce qu'il y a d'autres avancées notables? À part ça, je pense que les avancées notables, c'est par rapport toujours aux médicaments. Avant, pour mettre sous traitement, les gens se voient obligés de prendre peut-être 8 à 10 comprimés matin, 8 à 10 comprimés à midi, 8 à 10 comprimés le soir. Mais aujourd'hui, on a réussi à regrouper ces molécules
de plus en plus, on trouve ça en un seul comprimé. Et à prendre une seule fois dans la journée. Donc de 10 ou bien 30 comprimés par jour, on est en train de passer progressivement à un comprimé ou tout au plus 3 comprimés par jour. C'est une avancée. Pour tout le monde ou bien pas encore pour certains? Je vais dire pour la plupart. Parce que le nombre de comprimés aujourd'hui, ce n'est plus beaucoup. 30 à 30 comprimés par jour, c'est... Vous voyez? C'est immense. C'est immense. C'est au début, donc, on a tâtonné. Maintenant, les choses se précisent. Donc, il y a beaucoup d'avancées. Et chez les enfants aussi, on est en train de trouver des formes au goût plus ou moins acceptable par les enfants pour que les enfants puissent prendre. Donc, il y a ce genre d'évolution qui s'observe. Et les recherches sont en cours par rapport au vaccin également. Et parlons toujours des avancées, on a entendu parler du Truvada dans le temps, il y a quelques mois. Ça fait partie des molécules. Oui, c'est une association de deux molécules. Et le Truvada, les conditions d'utilisation, c'est que si vous avez un partenaire qui est positif, vous, systématiquement, on vous met sous Truvada, même si vous n'êtes pas infecté. On vous met sous Truvada parce que votre partenaire est positif, on vous met sous Truvada, mais vous prenez aussi les mesures de prévention. Et ça renforce votre protection vis-à-vis du VIH. Voilà. Donc, ça constitue le moyen de prévention principale ou secondaire? Je vais dire combiné. Ça, oui, puisque même en l'utilisant, il faut utiliser le préservatif, il faut éviter de prendre des risques, ainsi de suite. Donc ça renforce votre protection vis-à-vis du VIH. Donc c'est utilisé en mode prévention ou s'il y a des populations dans lesquelles on sait que le VIH est trop élevé, donc des gens qui sont de cette catégorie-là, on les met systématiquement sous Truvada pour que leur protection soit de plus en plus élevée vis-à-vis du VIH. D'accord. Mais on est pratiquement à la fin de cette émission. Vous allez, en guise de conclusion, donner votre mot de la fin. En guise de conclusion, je voudrais vous remercier pour l'occasion que vous m'avez offerte pour pouvoir partager un peu les résultats que nous avons en matière de lutte contre le VIH. Les résultats, bon, que d'aucuns qualifieraient d'encourageants, mais que nous prenons en compte avec beaucoup de modestie parce que nous disons il y a beaucoup qui reste à faire. Deuxièmement, je voudrais véritablement inviter nos populations à utiliser les services qu'on a mis en place. D'accord. Et à se rendre dans les centres de santé pour se voir offrir les services de prise en charge, d'abord de dépistage, de conseil, de prise en charge éventuellement s'ils sont positifs ou de prévention de transmission mère-enfant. Si c'est quel centre de santé? Dans les centres publics. Actuellement, nous sommes en train de mettre le cap sur les centres privés et je pense que d'ici avant fin 2016, on va vraiment quadriller tout le terrain, aussi bien du côté public que du côté privé. Et pour ceux qui nous écoutent actuellement, qui ont envie de faire le test de dépistage, par exemple, ils doivent se rendre où? Ouh, à plusieurs endroits, je ne sais pas tout. Oui, citer quelques-uns. Je sais que s'ils se rendent à Sourd ou Léré, par exemple, il y a beaucoup d'endroits. Dans les centres publics, les centres de santé publique. Oui, il y a certains centres privés également qui, s'ils se rendent à Ménantin, à Bethesda, dans ces centres-là, Arc-en-Ciel, ils peuvent avoir le dépistage gratuitement. Tous les jours ou bien seulement? Oui, tous les jours. Tous les jours. Oui, tous les jours. Donc, merci à vous, docteur Jean Darro. Je rappelle que vous êtes chef service prévention du programme national de lutte contre le sida. C'est fini pour Focus Santé de ce jour, mardi 1er décembre 2015. On remercie toute l'équipe de l'émission, Semiat Yesoufou à la caméra et Modeste Boton derrière la baie vitrée, de l'autre côté de la baie vitrée. Et surtout, merci à vous pour votre attention. On va se retrouver certainement mardi prochain.